entre des associations consommateurs de la CGT, l'un des COSA, avec l'association consommateurs de la CGTFO, la FOP, et avec l'association, enfin, on espère avec l'association consommateurs de la CFDT, la CECO. Donc, d'une certaine façon, on réalise l'unité de la population pour réclamer le maintien d'une structure de vente alimentaire, d'un commerce alimentaire de proximité. Et puis, un certain nombre de choses que les habitants, que le collectif va vous rappeler maintenant, qui sont habitants de la ZAC. Il y a aussi une amie qui est habitante de la ZUP. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un des Rosoirs qui voudrait intervenir ou qui pourrait intervenir, parce qu'on a distribué des tracts aussi sur les Rosoirs. Et il y a quelqu'un? Eh bien, si vous voulez, je vous donnerai la parole. Hein? Voilà. Et puis, à la fin du rassemblement, on votera un cahier de revendications qui aura été proposé auparavant et que vous pourrez aussi amender. Président des quartiers des Hauts-de-Seine, Monsieur le maire, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, ce mardi 18 juillet, devant le centre commercial Intermarché des Hauts-de-Seine à 18h, nous nous sommes rassemblés. Venant des quartiers de la ZAC Saint-Simon, de la ZUB Saint-Geneviève, des Rosoirs et des quartiers pavillonnaires avoisinants, parce que toutes ces dernières années, nous avons assisté progressivement à la fermeture d'un collège de plus de 600 élèves, à la fermeture de 3 écoles sur 4, à la fermeture de pharmacies, d'épiceries, de boucheries, de boulangeries, de tabac maison, de la presse, d'un bureau de poste et d'une banque avec distributeurs de billets. Il y avait 6 médecins entre la ZUP et la ZAC, plus aucun maintenant. Et le 31 août prochain, c'est le centre commercial d'alimentation Intermarché de la ZEC Saint-Siméon, avec ses satellites de boulangerie et de stations-service, qui va fermer ses portes. Trop, c'est trop. Cette énième fermeture va impacter 8 à 10 000 résidents des Hauts-d'Auxerre et des proches environs. C'est plus du quart des habitants de la ville d'Auxerre qui vont se retrouver en cité dortoir. Nous nous sommes rassemblés pour vous dire que nous ne voulons pas ça. Nous sommes des travailleurs ou quelquefois sans emploi et donc avec des modestes subsistances. Nous sommes des mères de famille, quelquefois seules, pour élever nos enfants, des retraités, quelquefois éloignés de leur famille et pour qui la fermeture d'un commerce alimentaire est une catastrophe, sans parler des jeunes de plus en plus portés au désespoir. Et des personnes en situation d'handicap. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous vous adressons notre cahier de revendications établi en assemblée des quartiers de Hauts-de-Seine. Nous voulons un commerce d'alimentation et plus de proximité qui prenne le relais d'Intermarché. Nous voulons un service plus public souple de navettes gratuites plurijournalières entre les Hauts-de-Seine et les services publics et autres services commerciaux et activités culturelles et sportives. Nous voulons des séances de permanence hebdomadaire de représentants de la mairie pour nous tenir informés de vos démarches concernant nos quartiers. Nous voulons que les associations de chacun de nos quartiers puissent réunir leurs résidents gratuitement dans les locaux des maisons de quartier en dehors des heures d'animation. Nous souhaitons qu'un conseil municipal extraordinaire se réunisse avant la fermeture d'Intermarché. Nous vous adressons ce cahier de revendications pour alimenter les polémiques stériles. Nous sommes citoyens et des électeurs qui veulent continuer à vivre en toute sérénité au sein de nos quartiers et déterminés à avoir des réponses sur ces questions que nous adressons. Dans un premier temps, nous nous sommes adressés naturellement aux associations de consommateurs, Indecosa, CGT, AFOP, CGTFO, ASECO, CFDT et des syndicats de salariés. Notre connaissance qui soit vouée à s'intéresser à nos problèmes de vie, en espérant que ce cahier vous permettra de nous recevoir en délégation à une date du soir pour vous permettre d'avancer des solutions prochaines, viables et constructives.
Donc le débat est ouvert. Si vous voulez intervenir sur ces propositions, peut-être d'autres personnes du collectif, je pose la question. Non, on reste comme ça. Quelqu'un de la ZUP Sainte-Geneviève qui a déjà l'expérience d'un combat contre la fermeture de la poste dans son quartier et qui va nous en dire quelques mots. Bonsoir. Alors voilà, je suis l'habitante du quartier de Sainte-Geneviève, dans les Hauts-d'Auxerre. Et l'année dernière, on s'est battu pour essayer de garder la poste de notre quartier. Pendant un an, on a essayé. Et malheureusement, demander un local pour transférer une poste pour qu'on puisse la garder, ça n'a pas pu se faire. Donc si j'ai rejoint ce collectif de la ZAC, c'est pour formuler au maire qui vienne nous parler par rapport à la fermeture de l'intermarché de ce quartier. Nous, on a déjà perdu une poste. Ensuite, ça va être quoi? Là, c'est l'intermarché qui ferme dans un peu moins d'un mois. Il faut bien le dire. C'est dans un peu plus d'un mois. Après, ça va être quoi? Tout va s'enchaîner. Et les gens qui ne peuvent pas bouger, et les gens qui ne savent pas prendre le bus, et ceux qui ne marchent pas ou avec des câbles, comment ils vont faire? C'est un grand désespoir. Il faut absolument que le maire nous entende. Merci beaucoup. Le maire de la ville est censé représenter les habitants de cette ville. Malheureusement, il les a oubliés. Il les a oubliés, parce qu'évidemment, on annonce la fermeture d'Intermarché qui ne date pas d'hier, cette décision. Je ne pense pas que le 23 ou le 24 juin, la direction d'Intermarché a décidé de fermer du jour au lendemain. Donc, ils savent tout ça. Tout ça est décidé en amont, sans concerter les habitants de la ville, sans concerter les personnes qui sont concernées directement, même pas les salariés eux-mêmes d'Intermarché. Monsieur le maire, vous décidez de fermer les services publics ou vous décidez de ne pas aider à les maintenir, de ne pas les mettre les moyens nécessaires pour les maintenir. Pas de services pour les personnes qui habitent, que ce soit à Sainte-Geneviève ou que ce soit à la ZAC. Parce que quand on a fermé la poste de Sainte-Geneviève, on a dit aux gens « allez à la ZAC ». Et aujourd'hui, ils vont aller où? Parce que n'oubliez pas que si Intermarché et tous les commerces autour ne restent pas ouverts, la poste ne restera pas ouverte non plus. Ce n'est pas une promesse, c'est juste malheureusement un désespoir de voir que petit à petit, quand vous avez un grand commerce qui ferme, eh ben les plus petits suivront par manque de personnes. Si vous descendez à Leclerc, à Géant ou je ne sais pas où aller faire vos courses, eh bien vous ferez tout autour de vous. Vous n'allez pas vous amuser à faire des allers-retours entre tous les commerces qui ne sont plus de proximité. Aujourd'hui, l'alerte elle est faite contre la mort de la ZAC, ou plutôt pour la survie de la ZAC, on va être positif. On veut que nos quartiers vivent, qu'ils arrêtent de survivre. Et il est de votre devoir, monsieur le maire, de faire en sorte. Oui, il est de votre devoir, parce que vous êtes notre représentant, vous êtes notre porte-parole, de faire en sorte que les géants des commerces, les géants commerciaux qui ne jurent que par le pognon, se mettent dans les quartiers qu'on a besoin. Parce qu'on ne demande pas l'aumône, on vient, on paye ce qu'on achète. Quand on se déplace, on ne demande pas qu'ils nous fassent crédit, n'est-ce pas? Personne n'a une ardoise à Intermarché. Tout le monde vient payer son dû. Eh bien, on veut pouvoir aller dans des commerces de proximité et vous êtes obligés. C'est votre devoir de faire en sorte qu'on ait un commerce de proximité. Parce que je ne sais pas combien d'habitants il y a à la ZAC ou à la ZUP ou au Rozoir, mais on est à plus
d'un quart des habitants d'Auxerre, monsieur le maire, voire même un tiers des habitants d'Auxerre qui n'auront plus de commerce de proximité. Que faites-vous pour nous? Que faites-vous pour eux? Que faites-vous pour tous ces gens, pour cette personne qui est en fauteuil roulant, qui ne pourra pas prendre le bus? Que faites-vous pour ces gens-là, monsieur le maire? C'est votre devoir de nous protéger, de nous accompagner, de l'accompagner. Elle est en larmes, elle ne veut pas parler, mais on est là pour parler pour elle. On est tous là pour nous défendre, pour défendre les opprimés, parce qu'on devient de plus en plus opprimés. On est esselés dans nos quartiers. Vous, vous en avez rien à foutre de tous ces gens qui sont là dans les quartiers, qui sont désertifiés par les commerces de proximité, par les services publics. Que faut-il faire pour que vous soyez présents avec nous? On hurle notre désespoir, on hurle notre détresse, et il faut, on appelle... J'ai vu des commerces se fermer, premièrement Bricomarché, le premier qui a fermé. Après, il y a eu Vétimarché, je ne sais pas si les gens qui sont là depuis longtemps. Et voilà, et moi j'ai trouvé ce quartier merveilleux. Alors donc je l'ai vu évoluer depuis 2001, que je suis dans ce quartier, et j'y suis encore. Et là maintenant j'apprends la fermeture d'Intermarché. Alors je trouve ça très triste pour toutes les personnes qui sont à mobilité réduite, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de voiture, des personnes handicapées, des personnes âgées. Voilà, moi je discutais avec une dame aujourd'hui en rentrant de mes courses de Intermarché. Elle me disait où je vais faire mes courses. La dame tirait un caddie, elle était plus âgée que moi et elle m'a dit où je vais aller. Cette dame pensait qu'il y avait une reprise derrière et je lui dis non, il n'y a pas de reprise derrière Intermarché. Donc il n'y a personne. Voilà. Donc le magasin va vraiment fermer définitivement. Par contre, oui, il y a aussi toutes les mamans qui ont des enfants en bas âge, qui en ont plusieurs. C'est difficile de gérer quand on est une maman des enfants, mais c'est difficile de les emmener aussi faire des courses très loin, prendre un bus, les faire garder. Enfin, moi, je ne me vois pas faire des courses avec 3-4 gamins dans les caddies. Donc, je pense que c'est très, très grave qu'il n'y ait plus un magasin comme Intermarché ou peu importe pour toutes ces personnes-là, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des personnes âgées ou des personnes qui n'ont pas de voiture. Voilà. Moi, je discute beaucoup avec les gens du quartier et je suis ici, donc... Moi aussi, sans voiture. Mais moi, je suis encore... moi, je peux encore me déplacer. Mais il y a pire que moi. Voilà. Donc, il faut absolument qu'il y ait une reprise derrière. On ne peut pas laisser ce quartier mourir. On est quand même 3000 habitants ici, près de 3000 habitants. C'est énorme. 5000. Non, 3000, madame. On est près de 3000... Non. 4000. Non, près de 3000 habitants. C'est 5000 avec les pavillons. Ouais, allez, près de 3000 habitants. Mais on va dire dans le quartier de la ZAC. Donc voilà, nous on maintient quand même tous les commerces qu'il y a autour, on les maintient, on les aime nos commerces, on aime le bureau de tabac, la poste, le cordonnier, le bar, la pharmacie, on en a besoin et on sera là pour les soutenir. On veut qu'ils restent ici et ils ont besoin de nous, alors s'il vous plaît, allez toujours vers eux, c'est important, on ne veut pas qu'ils s'en aillent, il faut, voilà, et on veut... une autre grande surface qui reprenne le relais. Un quartier aussi grand comme le nôtre, il y a trop de gens qui ont besoin, qui vont être vraiment dans le besoin. Il y a beaucoup de gens de la ZUP Sainte-Geneviève qui venaient ici parce que la grande surface était moins chère et ils faisaient le déplacement. Et puis il y a les mères de famille, comme vous disiez, avec les enfants ou les personnes seules avec... Qu'est-ce que vous voulez avec les cabas de 10 kilos au bout des droits voilà. Alors, une autre dame va prendre la parole, une habitante de... Moi, j'habite Saint-Siméon depuis 1980. Hein ? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs maires qui se sont suivis. Et que, bon, à chaque fois qu'on allait les voir, il y avait quand même... un résultat, pour toujours celui qu'on attendait, bien entendu. Mais il y avait un résultat et on pouvait leur parler. Actuellement, je ne sais pas, c'est peut-être un maire fantôme. Bon. Alors, il y a une chose que moi je voulais dire, c'est que la ville d'Auxerre, si elle fonctionne encore à l'heure actuelle,
c'est grâce à toutes les cités autour d'Auxerre. Saint-Siméon, Saint-Geneviève, les Plates, les Vauviers, tout autour d'Auxerre, il y a des cités, et les cités font vivre Auxerre. Ce sont les ouvriers, les employés qui font vivre. Ce sont pour ceux qui ont plein de fric, qui vont faire leurs courses à Paris, hein, qui prennent leur... Non, mais ici, mais ils ont Carrefour, mais Carrefour... C'est cher. Voilà. Ici, les personnes n'iront pas chercher leur pain comme d'habitude. Donc, il n'y a plus de pain. Moi, je me rappelle, ici, il y avait la boulangerie, ça ne s'appelait pas comme ça, hein. Elle s'appelait Suzy, la personne qui s'en occupait. Oui, mais c'est pour dire, à l'époque, elle faisait tourner le commerce. Hein, c'était fabuleux. Nous, ce qu'on veut, c'est... Il y avait tout ça, c'était... Tout ça, c'était ouvert. Et puis là, j'ai appris que, soi-disant, qu'il y a une banque qui va s'en aller. Oui, c'est vrai, il y en a une qui va s'en aller. Une des deux, là. Oui. Alors, non, mais... Alors, une banque... Qu'est-ce qui va arriver dans le quartier? Ça va être un quartier où tout le monde va partir, parce que bon, hein, ceux qui courront vont partir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir des vols, il va y avoir plein de choses. Si, quand il n'y a plus rien... Oui, mais quand il n'y a plus rien, c'est pire. Parce qu'il n'y aura plus la gendarmerie qui passera une ou deux fois. Donc nous avons la gestion des conservateurs à Force Ouvrière. Je représente aussi le bureau de Force Ouvrière parce qu'il y a deux choses. Il y a la désertification, les magasins qui s'en vont. Et c'est vrai que je crois qu'on pourrait aussi mobiliser, aller rencontrer le préfet parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire une désertification de nos quartiers, hein, au profit des grands groupes, Cora, Casino, qui va très mal, mais on s'en fout un peu. Aujourd'hui, on va Intermarché. C'est un truc de proximité, c'est un magasin de proximité. Pour les rosoirs, pour la ZUP et tout. C'est vrai que ça, c'est du redit, mais ça se fait. Et aujourd'hui, en plus, on est quand même dans une zone sinistrée, il ne faut pas oublier aussi le personnel. Qu'est-ce qui va devenir? Il va être classé? Il va aller où? Hein? Il a encore les moyens? Pôle emploi, il en a marre. Pôle emploi, il ne donne pas beaucoup de pognon, et puis il faut gagner l'auto. Alors on va nous dire, oh, faut traverser la rue pour trouver du boulot. Quel boulot à temps partiel? Hein? Ouais. Un boulot comment? Un boulot payé à tiers-temps, à mi-temps? Vous savez que la plupart des caissières, même dans les grandes surfaces, aujourd'hui, elles sont payées à temps partiel. Hein? Elles sont obligées de travailler. Alors on parlait aussi des personnes âgées, des personnes handicapées, à mobilité réduite, des gens qui n'ont pas de moyens de déplacement, même des jeunes. Hein? Et on pense aux anciens, je suis d'accord, mais on pense aussi aux jeunes. Donc aujourd'hui, nous, à Force Ouvrière, on défend les établissements, les magasins à proximité, et aussi on défend les ouvriers, les employés, les caissières et autres pour continuer. Ça y est, on a coupé le sifflet. Non, ça marche. Pour défendre toute la population auxerroise de quelques secteurs et elle soit. Et surtout aujourd'hui, pour revitaliser le site, pour maintenir quelque chose, je crois qu'on peut demander l'intervention de l'État représentée par le préfet. Après le collège Gabi-Martin, la poste de la ZAC de Saint-Geneviève. On s'attaque aussi aux services publics dans le quartier, mais aussi au commerce. Donc, comme vous le savez tous, on a difficulté à se mouvoir, on n'a pas beaucoup de transport. On se pose la question sur le devenir des salariés d'Intermarché. On a rencontré quelques-uns, bon voilà, ils sont des expectatives. Qu'est-ce qu'ils vont toucher? Où est-ce qu'ils vont aller? Sachant que dans l'Auxerrois, on est un petit peu limité au niveau emploi. Donc nous, au niveau des causes de la CGT, donc c'est... La défense des consommateurs, c'est une entité de la CGT. On a écrit à l'OAH, au président et au directeur, notamment sur les histoires de services publics, mais aussi de quittance de loyer. Aujourd'hui, le combat, c'est un combat général, un combat sur les transports, les services publics, et je pense qu'il ne faut pas lâcher. Ce qu'il faudrait, c'est connaître un petit peu le devenir des salariés, parce que c'est vachement important de connaître leur devenir. Hein. On a derrière des salariés, on a des familles, on a des enfants, on a des écoles. Donc tout ça, ça fait effet boule de neige. Hein. Donc aujourd'hui, là, on fait un constat. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire derrière. Qui est-ce qu'on va rencontrer? Le maire, c'est même pas la peine, de toute façon, ils ignorent. Une seule chose intéresse, c'est le quartier le long de Lyon et aussi le centre-ville.
Les gens en difficulté s'en moquent. Le préfet, il est dans son rôle de préfet, il va vous dire, oui, je vous ai entendu, mais il ne va rien faire. Donc aujourd'hui, là, on est rassemblés, il faut qu'on prenne décision ensemble de qu'est-ce qu'on va faire avec les élus, avec les représentants de salariés, avec les associations. Donc voilà, qu'est-ce qu'on décide? Les habitants de la ZAC, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, c'est très très bien. Moi, je vous pose une question, je me la pose depuis longtemps. Qu'est-ce que la démocratie? Sommes-nous dans un pays démocratique ou sommes-nous dans un pays totalitaire? La démocratie, telle qu'on la vit en ce moment, c'est élire des représentants, des élus qui sont nos dirigeants et qui ont de très bonnes idées sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Aucun contrôle. Nous sommes mis devant le fait accompli. Voilà, on va fermer. Voilà. Quelles sont les raisons profondes de cette fermeture? Ils vont nous en donner, hein. N'ayez pas peur, ils vont nous en donner. Moi, j'en connais une seule. C'est tout simplement le profit. Parce que nous sommes dans une société de profit. Et ça, c'est très grave. Remettons l'humain au cœur de notre monde qui part dans tous les sens à cause de ce profit. Moi, je pense beaucoup à ces personnes qui vont se retrouver au chômage. C'est dramatique. Qui s'en soucie? Mais ça a toujours été, ça fait très longtemps que ça dure. Et j'en suis vraiment désolée pour eux, quoi. Remettons l'humain au cœur de notre monde qui devient un peu n'importe quoi. C'est pas de la démocratie, ça. C'est du totalitarisme pour moi. Il n'y a pas de débat. On est mis devant le fait accompli. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je donne la parole encore à une dame qui le demande. Et puis, il va falloir qu'on envisage donc à partir du cahier de revendication ce qu'on en fait. Déjà, si on en fait le cahier de revendication de l'Assemblée Générale des résidents des Hauts d'Auxerre, pour la porter au maire, comme la porter au maire en délégation ou en manifestation, les possibilités restent ouvertes. Je donne la parole à une dame, ça va être la dernière intervention, à moins que quelqu'un demande encore une intervention ici et une dame ici. Voilà. Vous allez essayer de faire court pour qu'on ne s'éternise pas, oui. Non, la dame là. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voici quelques mots de soutien et de colère de la section de la Ligue des droits de l'homme d'Auxerre. Oui. La petite Suzo. Exact. Nos quartiers ne doivent pas mourir. C'est dans une dynamique de solidarité avec les quartiers des Hauts d'Auxerre que nous déplorons la fermeture à la fin du mois d'août du commerce Intermarché. Cette fermeture entraîne l'impossibilité d'accéder ainsi, par le manque de reprise de ce commerce, à un service très important et vital dans le quartier de la ZAC Saint-Siméon. Nous sommes inquiets. Nous vivons cela comme une discrimination d'un quartier qui bénéficie encore, mais jusqu'à quand, de services divers nécessaires à la vie, culturels, commerciaux, sportifs, etc. Nous déplorons que la ville ne réagisse pas à cette fermeture. C'est donc avec un esprit de solidarité et de soutien de la population, des employés, des autres services du quartier des Hauts-d'Auxerre que la section LDH Auxerre s'associe à l'inquiétude du devenir du quartier. L'ouvrier indépendant démocratique soutient les revendications légitimes des habitants des quartiers des Hauts-d'Auxerre. En effet, alors que les quartiers des Hauts-d'Auxerre subissent une désertification contre laquelle les militants du POID ont lutté aux côtés des habitants, que ce soit pour obtenir l'installation d'un médecin, contre la fermeture du collège Bienvenue Martin et celle du bureau de poste de Sainte-Geneviève. Les militants du POID s'associent au maintien d'un commerce d'alimentation de proximité qui prenne le relais d'Intermarché. Les décideurs, maires, préfectures, ARS, conseils départementaux doivent répondre positivement aux besoins de la population
et non relayer la politique gouvernementale qui veut couper 60 milliards d'euros dans le budget d'ici à 2027, soit 12 milliards chaque année. Cette politique détruit l'école publique et les emplois et réduit drastiquement les services publics, ce qui a une répercussion sur nos quartiers et nos vies. Le ministre du Budget a trouvé 10 milliards d'économies sur la sécurité sociale et les dépenses de l'État. Les arrêts de travail sont dans le collimateur, ainsi que la contribution des assurés via une hausse des franchises sur les médicaments. Ça va passer de 1 euro, alors que c'était 50 centimes par boîte de médicaments. Je pense que certains ont entendu ce matin sur France Inter une hausse de 10% sur le tarif de l'électricité est prévue le 1er août. Seuls les travailleurs et les jeunes unis, forts d'organisations indépendantes, pourront mettre fin à ce gouvernement au service d'une poignée de capitalistes. Le Parti ouvrier indépendant démocratique est pour un gouvernement ouvrier au service des travailleurs et de la jeunesse. Moi, j'interviens au nom de la section auxerroise du Parti communiste. Nous avons appelé à ce rassemblement dès que nous avons eu l'information qu'il avait lieu. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Et si on peut vous aider de quelconque manière que ce soit, sachant que nous avons deux élus au conseil municipal, alors deux élus EELV, mais avec lesquels nous travaillons. Donc s'ils peuvent se faire le relais de vos demandes, de vos exigences, de vos besoins, ce sera avec plaisir. Donc le communiqué qu'on a fait paraître pour appeler nos copains, nos sympathisants à ce rassemblement disait: la droite au pouvoir dans le département et à la mairie d'Auxerre continue d'abandonner les quartiers populaires. Après la fermeture du collège Bienvenue Martin, après que le maire ait laissé fermer le bureau de poste à Sainte-Geneviève, qu'il ait décidé de regrouper les écoles Renoir et Courbet sur un seul site, c'est maintenant le secteur privé qui déserte les Hauts-d'Auxerre. Déjà, les médecins, kinés et autres professionnels de santé étaient partis. C'est maintenant au tour du magasin Intermarché de fermer boutique. Quand l'actualité récente prouve, s'il le fallait encore, que vivre dans des cités dortoirs ne peut qu'engendrer frustration et colère, le maire d'Auxerre, pourtant interpellé par la population concernée, est encore une fois aux abonnés absents. Notre section auxerroise du PCF se joint bien évidemment à l'appel du collectif de défense des quartiers des Hauts-d'Auxerre. Nous espérons, nous attendons du maire et de la municipalité entière qu'elle réunisse les acteurs du quartier le plus rapidement possible, comme vous l'avez demandé dans votre cahier de revendications, afin d'étudier toutes les solutions pour garder une structure commerciale dans le quartier. Je sais que vous représentez une part importante de la population d'Auxerre et notre rôle d'association de défense des consommateurs est de venir mettre en place des permanences pour vous aider à exprimer les revendications. Et déjà, nous n'allons pas laisser tomber cette affaire. Nous allons suivre... Bon, je débute dans la fonction, mais ça, c'est pas grave. On est en équipe. Je ne suis pas seule. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Et en soutien pour les salariés, on pense aux salariés d'Intermarché, on pense à la population d'ici. J'ai été factrice quelque temps sur la ZAC, donc je connais un peu le quartier. Et c'est vrai qu'on voit les commerces disparaître les uns après les autres, les médecins, les pharmacies, tout disparaît. Et c'est vrai que ce quartier, il est excentré du centre-ville, donc à part les bus dont les horaires sont pas toujours adaptés pour ceux qui travaillent, c'est vraiment un gros problème qu'il faut soulever. Donc nous serons là à vos côtés. Au maire et aux conseillers municipaux, il y a 5 points. Je propose donc qu'on les prenne un par un et qu'on les vote un par un pour savoir, voilà, si vous êtes d'accord. Si ça peut être le cahier de revendication de l'Assemblée générale, on peut appeler ça comme ça, un commerce d'alimentation de proximité qui prenne le relais d'Intermarché. Donc, qui est contre? Qui est pour, je pense, l'ensemble des participants. Voilà. Merci.
à l'unanimité. Bon. Deuxième point, nous voulons un service public souple de navettes gratuites plurijournalières entre les Hauts-d'Auxerre et les services publics et autres services et commerces et culturels et sportifs. Parce que les lignes de bus ne sont pas adaptées aux besoins de nombreuses personnes. Qui est contre cet article de notre cahier de revendications? On considère qu'il est accepté à l'unanimité. Troisième point. Nous voulons des heures de permanence hebdomadaires des représentants de la mairie pour nous tenir informés de vos démarches concernant nos quartiers. Qui est contre cet article du cahier de revendication? Personne. L'article est accepté à l'unanimité. Quatrième point. Nous voulons que les associations de chacun de nos quartiers puissent réunir leurs résidents gratuitement dans les locaux des maisons de quartier en dehors des heures d'animation. Oui, parce qu'actuellement, cette assemblée générale aurait dû avoir lieu à la maison de quartier des Hauts-d'Auxerre, mais il n'est pas possible d'avoir la salle des Hauts-d'Auxerre, sauf le samedi et le dimanche en payant des sommes exubérantes. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes réunis en plein air. Voilà. Et donc, là, nous demandons donc l'ouverture des maisons de quartier au rassemblement des associations de résidents de Saint-Siméon, Sainte-Geneviève, Rozoir, etc. Qui est contre cet article-là? L'article est adopté à l'unanimité. Dernier article à ma connaissance, nous souhaitons qu'un conseil municipal extraordinaire se réunisse avant la fermeture définitive d'Intermarché pour traiter ces questions. Oui, c'est avant la fermeture définitive, c'est peut-être un peu tard déjà. Ouais. Je sais. Parce que le 15 août, on n'en parle plus. Alors, avant le 10 août, voilà. Fixons-nous la date du 10 août. Ouais, voilà. Entendu. Donc, qui est contre cet article? Donc, l'article est accepté à l'unanimité et parviendra au conseil municipal. La question qui se pose maintenant, on considère que ce cahier de revendication doit parvenir au maire. Nous lui avons adressé déjà une lettre. Le collectif a adressé une lettre qui a été sans suite. Mais nous sommes réunis ce soir pour faire savoir que il y a quand même beaucoup de monde qui habite dans les Hauts-d'Auxerre, un tiers ou un quart de la ville selon les comptabilités, et qu'il devrait quand même nous recevoir et en particulier entendre ce cahier de revendication que nous voulons. Nous ne vous adressons pas ce cahier de revendication pour alimenter des polémiques politiques stériles. Nous sommes des citoyens et des électeurs qui veulent continuer à vivre en toute sérénité au sein de leur quartier et déterminés à avoir des réponses sur ces questions que nous vous adressons. Dans un premier temps, nous nous sommes adressés naturellement aux associations de consommateurs, CGT, CFO, CFDT, en espérant que ce cahier vous permettra de nous recevoir en délégation et donc dans une date maximale du 1er août. Ça me paraît tard, hein. Je peux dire, c'est une semaine. Le 1er, oui, moi, ça me paraît tard, semaine, c'est une semaine. Sinon, après, c'est les vacances, 1er août et tout ça. T'as raison. Oui, mais ça va être les grandes vacances après. Donc là on... Mercredi 26, pas plus tard. Donc on va le porter dès demain. On va le porter dès demain à la mairie, au cabinet du maire et puis dans les boîtes aux lettres des conseillers municipaux. Et on leur donne la date donc de mercredi prochain. Mercredi prochain pour avoir une réponse.
Et suivront les signatures donc des gens du collectif et des associations de consommateurs. Pour notre part, le collectif n'a pas souhaité, même si on apprécie parfaitement le soutien des organisations politiques, mais on a préféré ne pas mettre en avant les associations politiques pour aller rencontrer le maire. Voilà. Aux associations politiques de faire leur travail après. En revanche, la Ligue des droits de l'homme, je pense qu'il y a une association humanitaire, a toute sa place à nos côtés, hein. Enfin, pour aller voir le maire.